Et ici, il fait un petit peu de, du bœuf, poulet, le porc. Il fait un petit peu de boudin de poulet, boudin de porc, boucané de bœuf. Et aujourd'hui, il prépare un saucisse canard. Et puis un peu de saucisse de poulet. Le saucisse canard, quand il fait lire, il arrache la viande. Il désosse le canard, après il assaisonne à lit, après il mixe à lit, après il tourne, il met les épices et après il pousse à lit dans le poussoir. Les épices, c'est le thym, muscade, girofle, le sel, et un petit peu d'oignon vert dedans et puis voilà. Ça c'est la recette à l'ancienne, la tradition longtemps. Avant, ben, il faisait avec le collet de bouteille, tu cassais une bouteille, après tu limes bien le collet de bouteille, faut pas qu'il blesse à eau, et après tu mets le boyau dessus, et après tu pousses avec un bois. Tu fais comme ça. Et aujourd'hui, ben, nous avons la machine, et ben, c'est plus rapide. On a le mixeur, avant tu battais avec le sable, avec un sable chez un petit bois, et après tu travaillais comme ça. Mais aujourd'hui, plus facile. Et Mala a eu l'idée de ça depuis avant mon défunt papa t'a fait un petit peu à l'ancienne et Mala garde la tradition et aujourd'hui m'y ramène sur le marché. Mais elle était tué cochon longtemps, t'a fait le fromage, t'a fait de saucisse, tout ça là. Depuis comme il était maman, il m'avait l'âge de 10 ans, 14 ans. Et moi, c'était impressionnant, moi, comment on était fait quand on était tué le cochon, et quand on arrache la viande, et tout ça là. Et il m'était participé, mais il dit, moi, pas trop, reste à l'écart. Et il m'était observé de loin. Il dit, moi, approche pas trop parce qu'il ne faut pas y faire plus à moi trop. Mais Mithy aime regarder, observer. Et après, Mithy vient donner un petit coup de main quand t'as fini, tout ça. Et c'est là que Mala a aimé. Ça, c'est un souvenir récemment, ben, tout le temps. Tout le temps, il pense ça.